Dans cette vidéo, je vais vous montrer les coulisses de shooting de flying food, donc c'est-à-dire de la nourriture volante, et on va réaliser cette photo. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dans laquelle je vous partage tous mes conseils pour réaliser des photos culinaires alléchantes. Et pourquoi pas en faire votre métier, votre activité. Je suis Mélanie, créatrice de recettes, styliste et photographe culinaire, mais également organisme de formation en photo culinaire. Vous retrouverez le détail de toutes mes formations dans la barre d'infos. Je publie une vidéo tous les samedis sur cette chaîne, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Alors que je te montre un petit peu mon installation. Donc j'ai mis mon appareil, alors là c'est le D750 qui est un plein format de chez Nikon avec le 50 mm 1.4. Je l'ai mis sur un système, donc c'est une sorte de trépied qui permet de faire des vues en prise de dessus. Ensuite j'ai cette plaque en verre qui vient de mon réfrigérateur, donc, vous savez. Les petites, je sais pas comment on appelle ça, les clayettes, en fait les étagères en verre tout simplement, qui permettent d'avoir quelque chose de vraiment transparent, donc il faut qu'elles soient vraiment très propres. Donc moi je l'ai lavé avec du vinaigre blanc et puis un microfibre. J'ai quand même quelques rayures, donc voilà, c'est pas l'idéal, mais c'est ce que j'avais sous la main. Je verrai si ça se voit et dans ce cas-là je passerai sous Photoshop. Je l'ai placé sur deux cartons là que j'avais à peu près de la même hauteur pour qu'elles soient surélevé par rapport à mon fond. Donc là, je dirais qu'il y a à peu près 25 cm. Ouais, 20, entre 20 et 30 cm entre l'étagère de verre et le fond. Donc voilà un petit peu pour l'installation. Je shoote en mode connecté, c'est-à-dire que mon appareil est relié à mon PC. Comme ça me permet de voir directement ce que voit l'appareil. C'est pratique quand on shoote avec un système. Là, ça va, il n'est pas très haut. Mais c'est un peu compliqué pour voir dans le live view ce qui se passe. Donc là, au moins, j'ai l'écran qui apparaît sur mon PC en grand. Donc c'est beaucoup plus pratique. En fond, donc que je vais mettre là sur mon tréteau, enfin sur mon fond, je vais prendre une feuille couleur un petit peu cuivrée. Donc c'est une feuille de carton que j'ai eue dans un magasin de bricolage. Et je vais la mettre sur ma planche. Donc mon sujet, c'est cette bouteille de bière. Donc sur l'étiquette, on voit des amandes et des grains de café, donc c'est ce que je vais reprendre sur ma photo. Je vois qu'elle est un peu collante, donc pareil, je passe un microfibre dessus pour enlever les éventuelles traces. J'avais choisi pas mal de canettes de bière comme ça, dont j'aimais bien le packaging, les étiquettes, pour en faire des photos. Ça m'a inspiré. Donc la canette, enfin en tout cas la bouteille, je vais la mettre sur la plaque de verre. Et pour qu'elle évite de rouler, je vais utiliser de la pâte à fixe pour bien la fixer. On voit qu'on a plutôt les amandes qui sont côté gauche de la bouteille et les grains de café de l'autre côté. Donc je vais les disposer à peu près pareil. Je vais en mettre également sur ma plaque de verre. Les plus belles de préférence car celles-ci seront nettes. Et je fais attention qu'elles soient pas, qu'elles ne superposent pas celles qui sont en dessous. Et la même chose avec les grains de café. Là, au niveau de la composition, j'ai la bouteille qui est vraiment centrée. Donc on va être sur une symétrie. Donc c'est volontaire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des bâtons, des grands bâtons comme ça, sur lesquels je vais venir coller une amande et un grain de café. Et je vais venir les placer à différentes hauteurs pour qu'on ait un petit peu plus de relief, un peu plus d'effet 3D. Parce que là, finalement, on a des grains, des amandes qui sont assez loin. Et des grains et des amandes qui sont plus proches. J'aimerais qu'il y en ait un petit peu à des niveaux intermédiaires. Comme ça vous permet de voir aussi les pics en utilisation. Donc avant de les utiliser, je voudrais réduire quand même un petit peu les reflets que j'ai sur la bière. Donc j'ai pas choisi le sujet le plus simple puisque là on a énormément de reflets. Donc je shoote en lumière naturelle collée à ma fenêtre et on voit du coup la fenêtre et notamment la barre qui sépare les deux fenêtres. Donc
Je vais essayer de mettre un petit diffuseur, on va voir ce que ça donne. C'est diffuseur, vous savez, 5 en 1. Ça coûte vraiment pas cher et ça, c'est un peu un indispensable en photo culinaire. Là, ce qui me dérange, c'est que j'ai quand même la moitié de la bouteille qui est très. Avec un reflet très blanc. Et l'autre très noir, le reste de la bouteille. Donc, je vais venir ajouter un réflecteur pour rajouter de la lumière sur le côté sombre. Attention, parce qu'on a une plaque de verre ici. Donc, c'est très brillant. Donc, si on se rapproche trop, on va voir le réflecteur dans la plaque de verre. Et ça. Bah, je ne veux pas, surtout pas. Donc il va falloir pareil que je cale ce réflecteur blanc. Donc je prends une photo test. Donc là j'ai fait en sorte de fixer le réflecteur, le diffuseur, parce que comme je vais venir mettre cette petite amande et ce petit grain de café un petit peu partout, j'ai besoin d'avoir mes mains libres et d'avoir exactement la même lumière sur toutes les photos pour pouvoir après les fusionner. Donc il faut vraiment que ce réflecteur, ce diffuseur reste au même endroit. Donc, je vois que j'ai quelques reflets sur la plaque de verre que j'enlèverai à la retouche, notamment le reflet ici de l'appareil. Donc c'est pour ça que l'idéal c'est quand même de shooter à la lumière artificielle pour pouvoir contrôler la lumière et les reflets. Donc là je vais venir prendre d'autres photos sans toucher à mon trépied ni à la lumière, en mettant tout simplement les amandes à différents niveaux. Voilà, je vais pouvoir passer à la retouche. Alors pour la retouche, je suis passée sous Lightroom pour recadrer l'image et puis pour faire quelques corrections. Donc j'ai pris toutes les photos que j'ai synchronisées et puis j'ai appliqué quelques corrections pour avoir les réglages de tonalité. Ensuite, je les passe sous Photoshop et là, je vais venir ajouter les différentes amandes et grains de café que j'ai photographiés avec le pic. Pour cela, je copie chaque image sur mon image de base et je vais appliquer des masques de fusion. Je vais tout masquer et puis je vais faire apparaître avec un pinceau les grains de café ou les amandes sans faire apparaître les pics. Une fois que j'ai mes pics, je vais venir enlever les reflets que je peux avoir, venir enlever toutes les poussières sur la bouteille de bière, essayer d'enlever un maximum de reflets pour avoir une photo finale correcte. Et voici le résultat.